Bonjour les amis du NRFI Club Paris, bienvenue à notre chaîne YouTube. C'est César Benitez à nouveau, je pense que maintenant vous avez un peu plus l'habitude de me voir. Et aujourd'hui, on va connaître le profil d'un des ados de notre club. Ça fait quelques années que le projet des Petits Espoirs a commencé dans notre section du NRFI Club Paris. Ça fait plus d'une année et demie que j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Thiago. Bonjour Thiago. Bonjour, moi c'est Thiago Figueiredo, j'ai 17 ans, je suis encore au lycée, je passe sur ma dernière année de terminale. Ça fait 2 ans que je suis au NRFI de Paris et mon projet c'est de faire une carrière dans le sport. Raconte-nous tes débuts dans le club. Comment tu as connu le club et qu'est-ce qui t'a permis d'arriver et de te consolider dans le groupe? Au départ, je faisais de la boxe anglaise dans une autre ville dans le centre de la France. Et en revenant sur Paris, avec l'essor de l'UFC, etc., je cherchais à faire plutôt du MMA pour être plus complet dans les sports de combat. Et donc, j'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé le NRFI qui n'était pas très loin de chez moi. Donc suite à ça, j'ai fait un cours d'essai au début de l'année et ça m'a directement plu. J'ai pu rencontrer César et ses élèves, donc j'ai tout de suite adhéré au club. Suite à ça, j'ai vraiment été passionné par le sport, avec les entraînements, etc., tout ce que ça m'apportait. Et j'ai rapidement été en compétition. Quelques mois après, ça se passait bien jusqu'à ce qu'il y ait un petit accident et que je me casse le nez dans mon premier combat. Donc malgré ça, ça ne m'a pas dégoûté du sport, à l'inverse. Ça m'a fait encore plus aimer le sport. Mon temps en dehors des tatamis, il m'a permis d'apprendre plus sur le sport, de comprendre mieux le sport. Et donc ça m'a encore plus passionné. Donc ça fait maintenant plus d'un an. Je ne suis toujours pas sorti du tatami. Je continue à faire des combats régulièrement. Et j'aime ça de plus en plus. En tant que compétiteur, tu as pu remarquer qu'il y a plusieurs phases à tenir en compte dans ton développement, comme par exemple arriver à calibrer les études, arriver à calibrer ce qui se passe à la maison et avec le tatami. Raconte-nous un peu comment tu organises ta journée pour arriver à être bien dans chaque partie de travail que tu fais. Ok, donc le plus important pour être bien dans le sport et dans les études, c'est d'être organisé. Donc de toujours se coucher à la même heure, se lever à la même heure, en ayant des repas structurés. Parfois, vu que cette année, moi, je passe le bac, je dois prioriser un petit peu les études aux entraînements. Mais je vais faire mes devoirs pendant une soirée et dans la soirée, soit je vais toujours un petit peu penser au sport. Que ce soit en regardant des combats, en analysant des combats, en visualisant des techniques que j'ai pu voir dans la semaine ou dans les cours précédents, ou en faisant un petit peu de préparation physique au poids de corps à la maison avant de dormir ou avant les devoirs pour me mettre en forme. Donc ça, je trouve c'est important de toujours être un petit peu dans les deux domaines, de toujours penser au sport, mais aussi de penser aux études à côté. Le mot-clé, c'est vraiment l'organisation, parce que si on est désorganisé, notre tête, on pense un petit peu partout, et c'est compliqué d'être performant à l'école dans le sport. Et donc moi, c'est vraiment d'avoir un emploi du temps strict et de respecter mon emploi du temps qui me permette d'être bon à l'école et de pouvoir performer dans le sport en même temps. Quand on parle d'être bon à l'école, quelle moyenne tu as à l'école? J'ai entre 15,5 et 16 de moyenne. Et tu comptes faire des études supérieures? L'objectif, c'est d'avoir un diplôme, de faire des études supérieures. Toujours, c'est important d'avoir quelque chose derrière s'il se passe quelque chose dans le sport. C'est le plus important. Personnellement, je pense que quand on veut développer une carrière sportive, surtout dans les sports de combat, c'est très important qu'en tant qu'élève, en tant que compétiteur, en tant que pratiquant, savoir donner cours. Donc dans le projet des Petits Espoirs, tous les stagiaires, tous les combattants ados, quelques-uns, on a signé un petit contrat avec eux et ils viennent se former pour donner des cours avec des enfants et avec des ados. Du coup, j'aimerais, Thiago, que tu m'expliques ton expérience dans l'enseignement des enfants. Allez, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc moi, ça fait un peu plus d'un an, à peu près un an et demi, que j'apprends à donner cours, notamment aux enfants. Donc au début, c'est compliqué, on se retrouve devant une foule d'enfants. On est un peu là, on ne sait pas trop quoi faire, quoi dire, quelle autorité on peut avoir sur l'enfant, etc. Et en observant comment César il peut donner cours, ça m'a permis de moi-même me développer dans ce domaine. Et ça ne vient pas tout de suite, mais en quelques semaines, quelques mois, on commence à être de plus en plus à l'aise. Et jusqu'à aujourd'hui, je me sens vraiment à l'aise à donner cours. Que ce soit aux enfants ou même aux adultes, je pourrais être à l'aise face à n'importe quelle foule et notamment ça peut aussi m'aider à l'école quand on passe un oral devant un jury, quand on est à l'aise devant une vingtaine, une trentaine d'enfants ou de pratiquants de sport de combat et qu'on puisse donner des explications devant tant de gens de manière aisément, à l'école c'est pareil, c'est facile. C'est de l'eau. Donc on peut voir que pour arriver à avoir un athlète de haut niveau, il faut arriver à balancer chaque étape, chaque partie dans sa vie, dans les études, dans le sport. Forcément, pour être concentré et donner le 100% et pour arriver à performer sur le tatami, il faut être un, bien à l'école, d'accord, au lycée, au collège, à la fac. Parce que si on est bien à l'école, on sera bien à la maison, on aura une bonne relation parentale et en même temps, on aura le soutien de nos parents, que c'est le plus important à ces âges-là. Une fois qu'on sera bien à l'école, on sera bien à la maison, forcément, on aura tous les ingrédients pour performer dans les sports de combat. Donc, j'espère que le cas de Thiago va vous motiver à tous les jeunes que vous êtes en train de voir cette vidéo. Pour ne pas lâcher les études, c'est la seule chose sûre que vous avez dans la vie. Merci à tous les NRF Fighters, merci à tous les pratiquants de sport de combat que vous êtes en train de nous regarder. N'oubliez pas de passage, de donner like, laisser votre commentaire, activer la cloche pour recevoir les notifications, mais avant ça, de vous abonner. Vous nous aidez énormément. Merci à Thiago aussi de nous permettre de montrer son lifestyle et je vous dis à la prochaine vidéo. Os.